Il a beau être leur favori, Alain Juppé est désormais l'outsider de cette campagne. Alors à l'instar de leur candidat à Toulouse, ces militants cognent sur le programme de François Fillon, qu'ils jugent réactionnaire. François Fillon est plus conservateur et il me fait un petit peu peur. C'est vrai que 500 000 fonctionnaires qui vont être supprimés, c'est de l'antisocial. Fillon se met dans l'antisocial, c'est pire que le sarkozisme finalement. François Fillon a des idées très proches de l'extrême droite, il faut dire ce qu'il est. Près de Lyon, à plus de 350 km de là, les 5000 militants venus soutenir François Fillon assument tout de leur candidat. Il a abordé tous les sujets, la politique internationale, la famille, l'immigration, l'école, l'éducation, l'économie. C'est des sujets majeurs. Pour eux, les attaques contre François Fillon sont peut-être celles d'un adversaire aux abois. Juppé étant en retard dans les sondages maintenant, c'est normal que, finalement qu'il attaque. C'est le jeu de la politique, il se lance des petites piques, mais bon, tout le monde reviendra ensemble à la fin du deuxième tour. Mais en attendant, les deux candidats devront s'affronter ce jeudi lors d'un dernier débat télévisé qui s'annonce d'ores et déjà très tendu.